Bonsoir tout le monde, bonsoir Franck. Salut Cyril. En forme ? La grande forme, je te remercie. Allez, nous sommes ravis ce soir de pouvoir partager avec vous ce sujet passionnant qu'est la cybersécurité. Aujourd'hui, Internet est dans notre quotidien. On a nos impôts qui y sont dématérialisés, nos factures, nos montres y sont connectées, parfois même nos frigos. Et ça, les attaquants, les pirates, les hackers, les acteurs de la menace, comme on dit dans notre jargon, l'ont bien compris. Aujourd'hui, on voudrait vous présenter, de manière un peu vulgarisée, quelle est cette menace, qui sont-ils, comment opèrent-ils et quels sont leurs objectifs. Alors, dans un premier temps, on va poser le cadre. Quelle est la menace, qui sont-ils, que veulent-ils, quelles sont leurs motivations et aussi un peu comment les entreprises doivent s'organiser face à eux. Dans un deuxième temps, on vous présentera leur terrain de jeu, Internet. On ne peut pas vous expliquer comment ils opèrent sans vous expliquer comment Internet fonctionne. Ensuite, on vous présentera leur mode opératoire, la vie d'une attaque. Première phase, c'est la phase de reconnaissance. La phase de reconnaissance a pour but pour l'attaquant d'identifier sa cible et d'en connaître les faiblesses. Ensuite, on verra les différents vecteurs d'attaque. Vous en connaissez quelques-uns, le phishing par exemple, mais on verra aussi les autres, par exemple les logiciels pas mis à jour qui peuvent porter des vulnérabilités. Qu'est-ce qu'une vulnérabilité? On essaiera de vous faire une petite démo si elle veut bien marcher. Et aussi le nerf de la guerre, les mots de passe, comment les attaquants essayent d'attaquer nos mots de passe faibles. Qu'est-ce qui se passe si une fuite de mots de passe a lieu sur un site web, comment les attaquants essayent d'en profiter, etc. Tout ça pour finir sur leur objectif. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comment ils veulent monétiser leurs attaques? Combien de temps dure une attaque? Entre parenthèses, on finira aussi rapidement sur quelques conseils pour vous particuliers dans votre vie de tous les jours. Alors pour commencer à mettre le cadre sur le sujet, on va vous parler un peu des menaces d'hier à aujourd'hui. Alors si on bascule dans les années 80, dans les années 90-2010, on avait à ce moment-là à peu près, pour un peu schématiser les choses, il y avait deux profils un peu d'attaquants. Il y avait des hackers de très bon niveau, mais qui travaillaient souvent isolés, seuls, qui pénétraient des systèmes d'information d'entreprise. On avait aussi en même temps, ce qu'on appelle les script kiddies. Donc, c'est des gens qui ont peu de compétences en sécurité informatique, qui récupèrent des logiciels développés par des hackers assez de haut niveau et qui les utilisent un peu comme ça, tout venant. Donc, c'est ce type de population, script kiddies, dans le monde de la défense. C'est des gens qui vont laisser énormément de traces derrière eux pendant leurs attaques. Donc, c'est assez simple de les détecter, de savoir un petit peu ce qu'ils font sur nos réseaux. Donc voilà, et les motivations à l'époque de ces deux, alors surtout des script kiddies, c'était de créer ce qu'on appelle du déni de service. On en reviendra un peu dans la présentation. Le déni de service dans le monde de la cyber, c'est de mener une attaque ciblée sur un service particulier, par exemple un site web d'une entreprise, mais d'envoyer une attaque massive à un moment donné pour créer un goulot d'étranglement sur la cible que l'attaquant est en train de viser. C'était des vandales. Voilà, des vandales, exactement. Et voilà, leur motivation, c'était aussi de rentrer dans des systèmes informatiques. Alors après, au niveau sociologie de ce type de population, à l'époque, il n'y avait pas forcément d'affiliation à des mouvements religieux ou des causes, par exemple, je ne sais pas, autour de la... l'écologie, du militantisme, ce genre de choses. Donc on était plutôt sur des cas isolés. Ensuite, si on bascule maintenant depuis les années 2010... on est face à des groupes d'attaquants qui sont très bien organisés, au sens où c'est comme une entreprise. En fait, dans un groupe d'attaquants, vous avez des gens qui sont spécialisés en développement de logiciels malveillants. Vous avez dans la même organisation des attaquants qui sont spécialisés en comment je vais délivrer dans l'entreprise les logiciels malveillants qu'on a développés. Le deuxième sujet, c'est qu'on a aussi des spécialisations dans les groupes d'attaquants. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez des groupes d'attaquants qui sont spécialisés en fraude, donc voler de l'argent. Des groupes d'attaquants qui sont spécialisés en rançon logiciel, donc les ransomware. Donc le but, c'est de rentrer sur l'entreprise, de lancer des logiciels malveillants. On récupère de la donnée et après, on brûle
Grosso modo, on brûle tous les systèmes informatiques de l'entreprise et on vient faire de la demande de rançon en disant « Voilà, on a récupéré vos données. Si vous voulez faire remarcher votre système d'information, payez-nous et on vous donnera la clé pour déverrouiller tous vos ordinateurs. » Et on a aussi la sponsorisation qui est arrivée. Alors, quand on dit sponsorisé, ça peut être soit par des groupes mafieux, donc c'est des groupes un peu noirs qui vont donner de l'argent à ces groupes d'attaquants, ou soit ça peut être des États, des gouvernements, ce qu'on retrouve beaucoup en Russie ou en Chine, qui vont alimenter ces groupes d'attaquants et qui vont leur donner de l'argent. Donc, ils montent en grosse capacité de développement d'outils et d'arsenal très sophistiqués. Une fois qu'on a parlé des profils d'attaquants, on va parler de leur motivation. La première motivation, c'est l'argent. Donc c'est de nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Le but, c'est de faire des attaques à finalité lucrative. Donc j'en ai parlé du ransomware, rançon logicielle. C'est mettre à plat un système d'information d'une entreprise et demander de l'argent pour que ça redémarre en termes de ligne de service, par exemple. Ensuite, la deuxième motivation, ça peut être l'espionnage stratégique en cas de conflit. Par exemple, en cas d'élection dans un pays. Donc, vous pouvez avoir des groupes d'attaquants qui vont opérer pour un gouvernement au moment où il y a des élections particulières dans un pays. Ça peut être du ciblage d'infrastructures critiques. Par exemple, les secteurs de l'énergie, le secteur des télécoms, que nous, on connaît bien. Donc, c'est le but de faire du sabotage sur des secteurs critiques. Quelques cas tout à l'heure sur ce sujet-là. Et aussi lors d'événements. Et lors d'événements, par exemple, la Coupe du Monde de rugby en France ou les Jeux JO 2024. Événements sensibles. Ça peut être événements sensibles. Donc voilà, on peut avoir des ciblages d'infrastructures critiques à ce moment-là. Ensuite, vous avez tout ce qui est l'activisme. L'activisme, c'est typiquement ce qu'on appelle le défacement de site. Donc c'est des groupes qui vont rentrer sur les sites web des entreprises, qui vont prendre la main, qui vont changer le contenu du site web et qui vont faire de l'allégeance à la religion, des choses comme ça, mais sur le site web de l'entreprise. Donc c'est de l'activisme. Donc il y a la partie religion, on parlait de l'écologie, ça peut être, voilà. Et c'est très en vogue pendant les conflits géopolitiques, notamment. Et tout ça aussi, on a face à nous des opérations d'influence et de déstabilisation, donc c'est les fameuses fake news, donc c'est-à-dire qu'il y a des groupes d'attaquants qui vont utiliser les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout ça, pour alimenter en fausses news, en fausses nouvelles pendant certains événements, typiquement des élections dans un pays, pour influer l'opinion générale au moment où il y a des élections. Donc voilà, grosso modo, les grosses motivations de ces groupes d'attaquants. Il y a quelques années, on ne parlait jamais d'attaque. C'était toujours un peu en vase clos, c'était très secret. Maintenant, je pense que quand vous lisez le Télégramme, le West France, on parle régulièrement, malheureusement, d'attaques qu'on ne peut voir. Donc on en a mis quelques-uns sur le slide là, mais voilà, typiquement, vous avez dû entendre parler du CHU de Brest, du CHU de Rennes, qui ont été attaqués il y a quelques mois. Voilà. Donc, pour cibler des exemples d'attaques, on en a choisi 5 pour vous. Donc, on revient en 2010. On a pris la première attaque, c'était Stuxnet. C'était un logiciel malveillant développé par le groupe de renseignement américain et un groupe israélien. Alors, pourquoi on l'a retenu? Parce que ça a été un des premiers logiciels malveillants les plus sophistiqués qui a été vu. Et donc, on était déjà dans du costaud en termes de fonctionnalité. Donc, qu'est-ce que faisait à ce moment-là ce virus? Il s'attaquait aux systèmes industriels, notamment dans le monde du nucléaire, dans le but de mettre à plat des turbines. Donc, il s'est ciblé les centrifugeuses, iranienne à ce moment-là. Le deuxième type d'attaque qu'on a voulu vous mettre en visibilité, c'est en 2015, c'est l'attaque TV5 Monde. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un groupe d'attaquants russes qui a mis KO TV5 Monde un soir. Donc, c'était écran noir sur la chaîne de diffusion pendant plusieurs heures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vu du public, on a vu l'attaque le soir même, mais par contre, après analyse des gendarmes de l'Internet de l'ANSSI, le groupe russe en question était déjà bien installé dans le réseau du TV5 Monde des jours bien avant l'attaque où ils ont mis à plat la chaîne de télévision. Ils avaient pris aussi en leur main tous les réseaux sociaux de TV5 Monde pour faire pareil de l'allégeance à l'État islamique, je crois que c'était à l'époque. Voilà. Et donc, on vous l'a sélectionné parce que c'était une des premières fois
où il y a eu l'ANSSI, donc c'est l'Agence nationale de sécurité du système d'information, donc c'est les gendarmes un peu de l'Internet en France, qui a fait une restitution publique 2 ans plus tard, lors d'une conférence de sécurité à Rennes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant, c'était la politique du secret. On ne savait jamais quand il se passait quelque chose. Voilà, donc ils ont, en gros, rendu public toute leur enquête qu'ils ont fait sur TV5 Monde. Si on passe en 2021, peut-être que certains ont entendu parler, c'est l'affaire Pegasus. L'affaire Pegasus, ça a fait beaucoup de bruit. Donc en 2021, il y a eu un rapport de Amnesty International. Donc il y a une centaine de journalistes qui se sont regroupés et qui ont mené une étude autour de Pegasus. Alors Pegasus, c'est un logiciel malveillant qui mettait sous écoute téléphonique les portables Android et Apple, basé sur une zero day. On va l'expliquer tout à l'heure ce que c'est une zero day, mais grosso modo, une faiblesse sur les téléphones qui était connue de personne, même pas de Google ni d'Apple. Et c'était développé par une société qui s'appelle le NSO Group, société israélienne. Et donc, ce qui a été mis en lumière à ce moment-là dans l'enquête, c'est qu'il y a eu plus de 50 000 téléphones portables qui ont été mis sous écoute sur des chefs d'État et sur des journalistes influents dans le monde. Si on prend 2022, on commence à se rapprocher gentiment vers nous, il y a eu l'attaque CASAT. CASAT, c'est un fournisseur d'Internet par satellite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette attaque, elle a eu lieu une heure avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un groupe d'attaquants russes a pris la main sur toute l'infrastructure de CASAT et a fait une attaque qui a rendu inopérant tous les modems, c'est-à-dire vos box à la maison, Internet, sur 72 modèles sur toute l'Europe. Ils les ont rendus inopérants, ce qui a eu comme effet côté Ukraine, de couper une partie des Ukrainiens de l'Internet une heure avant, au moment où l'invasion russe arrivait en Ukraine. Et le dernier qu'on a aussi retenu, c'est Vodafone Portugal en 2022. Donc c'est un opérateur équivalent d'Orange. Attaque des infrastructures. Alors ce qu'on dit fixe, le fixe c'est l'Internet, la télé et mobile. Et donc il y a une attaque qui a mis à plat toute l'infrastructure de Vodafone Portugal. Il leur a fallu plusieurs semaines pour réussir à rétablir tous les services mobiles, donc de 2G, 3G, 4G, 5G, et la télé et l'Internet. Voilà un peu les 5 types d'attaques qu'on a voulu vous... 5 grandes attaques qu'on a voulu retenir pour vous. Ok, donc si, comme les hackers, vous voulez gagner des millions, qui veut gagner des millions ici? On vous propose un petit quiz rapide. À votre avis, combien a rapporté au groupe de ransomware en 2022 leurs attaques? Est-ce plutôt 2 millions? Est-ce plutôt 79 millions de dollars? Est-ce plutôt 457 millions de dollars? Ou est-ce plutôt 2,8 milliards de dollars? Alors, qui vote pour la proposition A? Levez la main, s'il vous plaît. On note pas. Qui vote pour la proposition B? Ok, quelques personnes. C'est ce qu'on gagne à la fin de la... Proposition C, qui vote pour la proposition C? Et proposition D? C'est une balance entre C et D. Donc, la bonne réponse, c'était la C. Il y a eu 457 millions de dollars. C'est un chiffre assez conséquent. Mais ce qui est particulièrement intéressant sur ce chiffre, c'est que c'est la première année où on a constaté une baisse. Il faut se rendre compte que depuis que les ransomware existent, ça ne cesse d'exploser leur chiffre d'affaires. Et donc là, on suspecte que c'est peut-être dû à la fin du Covid où ils avaient vraiment engrangé beaucoup d'argent. Il y a eu une petite baisse, mais a priori, cette donnée n'est pas vraiment significative parce qu'en 2023, ça repart à la hausse. Alors comment les entreprises s'organisent-elles face à la défense ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les directions, on a déjà pris conscience de la cybersécurité. Et dans la quasi-totalité des entreprises, aujourd'hui, on a nommé un responsable de la sécurité du système d'information. C'est lui qui va porter les risques auprès du comité de direction de l'entreprise, les risques cyber. Pour ça, il peut s'appuyer sur 2 types d'équipes. Les rouges, les équipes rouges, dans notre jargon, c'est l'attaque. Et les équipes bleues, dans notre jargon, les équipes bleues, c'est la défense. D'ailleurs, quand vous verrez nos slides, nos diaporamas, quand vous verrez du rouge, il faudra un petit peu dans votre tête se mettre en mode attaque. Donc, côté équipe rouge, moi je fais partie d'une équipe rouge, on fait des tests d'intrusion. On est ce qu'on appelle des pen testers pour penetration testing. Notre métier, c'est sur des missions de 1 à 4 semaines. On va nous demander de travailler sur un projet, un périmètre bien défini.
et on va nous demander d'essayer de nous introduire le plus largement possible, mais aussi le plus profondément possible dans ce projet, avec toutes les méthodologies dont on va vous parler aujourd'hui. Le but, c'est bien sûr d'avoir un rapport avec les vulnérabilités et comment colmater les brèches pour que la défense puisse travailler. De l'autre côté, côté bleu, on va avoir deux grandes catégories d'équipes. Les centres opérationnels de sécurité qui, eux, sont là pour monitorer, superviser la sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en temps réel de l'entreprise. Donc là, si vous deviez vous les imaginer dans un film, c'est une sorte de grand plateau qui grouille de personnes qui travaillent avec en fond un écran géant avec la map monde et des alertes rouges quand ça ne va pas. Et tout le monde qui s'affole. Le SOC, donc le centre opérationnel de sécurité, il va trier les alertes qu'il a au quotidien, essayer de voir qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui ne l'est pas, et prendre les premières mesures de quarantaine pour éviter que les alertes de sécurité ne débordent. Parfois, il y a des incidents qui prennent beaucoup d'ampleur et on ne peut plus les gérer avec les procédures classiques. Et donc là, il faut faire appel au CERT, c'est l'équipe de réponse à incident, et c'est là où travaille Franck. Le CERT, c'est un peu pour moi le GIGN de la défense. Ils arrivent, quand la crise prend de l'ampleur, ils arrivent, ils prennent des traces de l'incident, ils regardent les marqueurs, ils relèvent les indices, et puis leur premier job, c'est de faire ce qu'on appelle une relevée de doute, c'est de savoir s'il s'agit vraiment d'un incident ou pas. S'il s'agit vraiment d'un incident, tel un enquêteur, comme on vient d'en parler, ils vont essayer de reconstituer le fil de l'histoire, heure par heure, jour par jour, mois par mois, de manière à savoir qu'est-ce qui a été compromis dans l'attaque et donc comment piloter la crise. Et donc ensuite, ils pilotent la crise de manière technique. Autour de ça, leur métier, bien sûr, c'est d'essayer de sensibiliser aussi le reste de l'entreprise. Ils doivent se former, se spécialiser. Et puis, il y a évidemment des exercices de simulation de crise, comme Ahmed nous en parlait avant. Chose importante, c'est qu'il y a aussi beaucoup de communication inter-entreprise. On l'a vu depuis que l'ANSSI a commencé à partager. Maintenant, il est courant de partager sur les retours d'expérience, etc. Et parmi les choses qu'on partage, il y a beaucoup de choses côté bleu, côté équipe bleue, côté défense. Ils ont des outils pour partager en direct les marqueurs qu'ils observent, les modes opératoires des attaquants qu'ils observent, les indices, de manière à mieux connaître la menace, à mieux être en capacité de savoir ce qui est en train de se passer chez eux, en voyant ce qui se passe aussi chez les autres. Alors parlons maintenant un peu du terrain de jeu de ces acteurs de la menace, de ces pirates. Le terrain de jeu, c'est évidemment Internet, et donc on est obligé de vous expliquer rapidement comment Internet fonctionne. Donc chaque machine qui est connectée à Internet a une adresse. C'est un peu comme votre adresse postale. On appelle ça une adresse IP dans notre jargon pour Internet Protocol. Les machines vont communiquer entre elles en s'envoyant des messages. Et sur chaque message, sur l'enveloppe du message, on appelle ça l'entête, l'émetteur va dire l'adresse du destinataire, et puis il va aussi marquer son adresse à lui quand il émet le message, pour que le destinataire sache à qui retourner le message de réponse. Sur Internet, un serveur va pouvoir exposer plein de services. Vous en utilisez tous les jours, par exemple le service web quand vous naviguez avec votre navigateur. Ça, c'est un service. Quand vous utilisez vos emails, vous utilisez des services de mail. Il existe aussi des services de transfert de fichiers, et il y a même des services que vous utilisez sans le savoir. Par exemple, la résolution de nom de domaine. Quand vous rentrez un nom de domaine, vous allez sans le savoir vous adresser à un service qui va vous donner l'adresse IP correspondant à ce nom pour voir après lui envoyer le message. Nom de domaine étant un Google.fr, Orange.fr. Par exemple, un Google.fr. Donc, quand on envoie un message, on va dire aussi à quel service on s'adresse. Et puis, de la même manière, on va dire quel était le client qui veut communiquer à ce service. Comme ça, quand le serveur reçoit un message, il sait qui est-ce qui lui parle et peut lui retourner correctement la donnée. Et de cette manière, les machines vont s'échanger des tas de messages. Tiens, je veux aller consulter telle page web, elle va s'adresser au serveur web, donne-moi le contenu de cette page web, dans le message retour, on va avoir le contenu de la page. Après, peut-être, il faudra s'authentifier.
Donc on va envoyer dans notre message notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Et puis le serveur web va nous répondre si on est authentifié ou non. Et il y a un flux de messages qui transite comme ça sur le réseau. Et pour transiter, il a besoin d'équipements. Ces équipements, c'est ce qu'on appelle des routeurs. Leur but, c'est de connaître toutes les adresses IP de l'Internet et de faire transiter les messages le plus vite possible. Alors, on a parfois tendance à dire l'Internet, mais en fait, l'Internet, ce n'est pas une seule et même bulle. L'Internet, c'est plusieurs réseaux qui sont liés les uns aux autres. Très souvent, des réseaux d'opérateurs, comme celui de notre entreprise, Orange, mais aussi parfois d'autres acteurs. Et certains de ces réseaux sont peut-être pas très sécurisés. D'autres peuvent avoir des acteurs, des opérationnels qui sont malveillants dessus, voire même des États qui mettent la pression à leurs opérateurs parce qu'ils ont un regard un peu différent sur la confidentialité. Et donc, il faut considérer que l'Internet n'est pas sécurisé. Quand on envoie un message sur Internet, il peut à tout moment être pris, être peut-être enregistré, peut-être stocké, analysé plus tard. Et donc, je viens de vous dire juste avant qu'on envoyait nos noms d'utilisateurs et nos mots de passe à travers Internet. Et donc là, ça commence à devenir critique parce que si n'importe qui est au milieu peut l'attraper, ils peuvent savoir les logins et mots de passe de ceux qui utilisent Internet. Donc pour ça, maintenant, il est courant d'utiliser le chiffrement de bout en bout sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur votre navigateur, mais maintenant, quand on va sur Google, on est automatiquement redirigé vers ce lien qui s'appelle HTTPS, pour Hypertext Transfer Protocol, avec un S à la fin qui veut dire « secure ». Secure pour sécurité de bout en bout. L'idée, c'est qu'on va chiffrer la communication entre notre navigateur et puis Google. Pour être sûr que la communication elle est chiffrée entre notre ordinateur et Google et pas notre ordinateur et l'attaquant, on va avoir ce qu'on appelle des autorités de certification qui vont tamponner les paramètres du chiffrement. Ces autorités de certification, en fait, c'est le petit cadenas que vous voyez en haut à gauche. Lorsque le cadenas est là, vous pouvez cliquer dessus et vérifier que vous êtes bien en train de parler à Google. C'est ce qu'on voit juste là. Ainsi, quand il y a du HTTPS, qu'il y a du Google avec une autorité de certification, vous avez la quasi-certitude que vous êtes bien en train de parler à la bonne personne. Alors, vous savez, on a mis le cadre. Parlons de la première phase de l'attaque, ce qu'on appelle la reconnaissance. Donc, pour ça, il y a différents sujets autour de la reconnaissance. Qu'est-ce que va chercher à faire l'attaquant qui a dans sa tête de cibler une entreprise A ? La première chose qu'il va chercher, c'est d'essayer de trouver de l'information liée à cette entreprise en ce qu'on appelle en source ouverte ou OSINT dans le jargon du monde de la cyber. Alors c'est quoi de la source ouverte ? C'est de l'information publiquement disponible au travers de l'Internet, les réseaux sociaux, des bases de données qui sont spécialisées en source ouverte. Donc qu'est-ce que va chercher l'attaquant à ce niveau-là ? Des informations sur l'entreprise, des adresses mail, potentiellement des numéros de téléphone, des salariés à cibler. Des noms de projets, les noms de domaine associés à l'entreprise. Voilà, tout un tas d'informations. Il peut aussi chercher du code logiciel. Si jamais l'entreprise développe du logiciel, il peut les chercher dans des bases de données, dans des bases de développement logiciel, les logiciels développés dans l'entreprise dans le but de trouver d'autres informations. Donc voilà, il va glaner de l'information en source ouverte. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'énumération. Donc, ce qu'expliquait Cyril juste avant, c'est que dans le monde de l'Internet, vous avez des adresses IP et il y a des services. Donc, qu'est-ce que va chercher l'attaquant ? C'est, tiens, je m'attaque à l'entreprise A, qu'est-ce qu'elle expose publiquement sur Internet ? Donc, c'est ce qu'on appelle du scan. Donc, on va chercher toutes les adresses IP, tous les services de l'entreprise pour essayer d'avoir une cartographie que l'attaquant, à ce moment-là, dans sa tête, il se fait une cartographie des services exposés par l'entreprise sur Internet. Et la dernière étape, c'est l'identification des faiblesses. Parmi tous ces services qui sont visibles d'une entreprise, est-ce que je vois des vulnérabilités, des faiblesses ? Alors, ça peut être des portes ouvertes qui n'ont pas été bien fermées. Ça peut être des versions logicielles. Typiquement, un site Internet qui fonctionne sur une certaine version logicielle, on sait que cette version logicielle-là n'est pas à jour, donc il y a peut-être une vulnérabilité à exploiter. Donc, voilà pour la partie phase de reconnaissance. Alors,
ce qui est assez amusant, notamment dans le scan, il y a aussi des choses qui existent sur Internet qui vont faire le boulot de manière un peu automatique pour vous. Donc, on a pris un site qui est très connu, qui s'appelle shodan.io. On a été voir il y a quelques jours ce qu'on pouvait y trouver de notre côté. On a fait quelques recherches. Shodan énumère en permanence et cartographie en permanence l'Internet. 24 heures sur 24 ce qui se passe toutes les machines d'Internet. Son but, c'est ça. C'est ce que ça essaye de faire. Voilà, donc on a, ça coûte pas très cher d'avoir un accès à Shodan. Donc qu'est-ce qu'on a fait? La première recherche, on s'est dit, tiens Shodan, dis-nous qu'est-ce qui est exposé sur Internet et sur lequel on peut rentrer juste sur les machines avec un mot de passe qui est password. Et là, vous avez le résultat. On a Shodan qui nous renvoie 1,8 million de machines disponibles sur Internet où on peut rentrer dessus avec un mot de passe qui s'appelle, un mot de passe password. Alors c'est juste pour vous donner une idée parce que ces machines-là peuvent être aussi après prises par l'attaquant sous leur contrôle. Donc ça peut être votre machine chez vous. L'attaquant peut prendre cette machine sous votre contrôle et l'inscrire dans ce qu'on appelle un réseau de botnet. Les botnets, c'est des réseaux zombies. Donc c'est des PC qui sont sous contrôle attaquant, qui sont utilisés par l'attaquant pour faire l'attaque vers l'entreprise qu'ils sont en train de cibler. Donc ça peut être votre PC qui attaque l'entreprise que l'attaquant est en train de cibler. Ou alors, après, on trouve des trucs assez rigolos. On trouve beaucoup de webcams, des caméras sur Internet, comme ça, exposées. Donc là, on en a vu une. C'était un élevage de bovins. Et puis, il y en a un autre qui a mis une webcam. Alors, je pense que c'est pour vraiment superviser son réseau électrique qui nous a paru un peu... Il a bien raison de le superviser. Un peu limite. Voilà. Mais ça, c'est public. C'est-à-dire que nous, on a récupéré l'information, mais n'importe qui peut la récupérer. Et après, vous trouvez aussi des... Ça, c'est monnaie courante, ce type de service, c'est tout ce qui est les informations de système industriel. Donc là, on en a pris quelques-uns. Il y en a un, c'est une supervision d'un parc éolien. Donc on voit, c'est en haut à droite, c'est les alertes qui sont remontées par les éoliennes. En bas à gauche, c'est un matériel agricole, voilà. Et puis sur la droite, je crois que c'était quoi? C'était une chaudière, je crois. Une chaudière. On trouve beaucoup de chaudières, de climatisation, ouais. De maisons connectées, ce genre de choses. Voilà. Et puis, vous avez gardé meilleur pour la fin. On se trouve aussi des caisses de restaurant. Voilà. Donc, vous avez des caisses de restaurant exposées sur Internet. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut commander ce soir quelque part une bière ou un repas, vous nous dites. J'espère qu'il livre. Ouais, on ne sait pas quel restaurant. C'est quelque part en France, mais voilà. Donc voilà, c'est ce type d'information que peut glaner un attaquant quand il cible potentiellement une entreprise. Et donc tout ça sans authentification. Voilà. Alors, deuxième quiz, on vous fait travailler un petit peu ce soir quand même. Quel est le temps moyen de survie d'un service exposé sur Internet avec des mots de passe par défaut? Donc des mots de passe simples. Est-ce que c'est plutôt 7 secondes, 145 secondes, 37 minutes ou 7 heures? Alors, qui lève la main pour la réponse A? Ok, on a pas mal. Pas mal. Réponse B. Ok. Okay. Réponse C. Et réponse D. Alors, c'est plutôt A ou B, là. Hein, ça a semblé être A. La réponse, c'est la réponse B. 145 secondes. Alors, vous allez nous dire, mais ouais, vous sortez ça d'où Dans le monde de la cyber, vous avez aussi ce qu'on appelle des réseaux de pots de miel. Donc, ils s'appellent les Honeypot. Et en fait, c'est des réseaux que vont mettre plutôt les gens de la défense, comme moi. On va mettre des services sur Internet, des faux services, pour attirer les attaquants. Donc le pot de miel, des abeilles, pour attaquer les attaquants, dans le but de comprendre leur mode opératoire ou comment ils travaillent. Et donc, vous avez des réseaux comme ça, mondiaux, de pots de miel. Et ces statistiques-là sont sorties de ce type de réseau. 145 secondes, c'est quand même rapide. Hein. C'est un peu comme marcher sur une bande d'arrêt d'urgence la nuit d'une autoroute. Hein. Exactement. Donc ça vous donne des idées de la vitesse que ça peut aller. Le mot de passe par défaut, password. Oui, ça peut être password, route. Enfin, c'est des mots de passe admin, très admin, simples qu'on retrouve simple. Très souvent. Voilà. Souvent, quand on installe une machine, il y a un mot de passe qui est par défaut sur le manuel. C'est ce type de mot de passe qu'on retrouve partout. Voilà. Donc, l'attaquant a fait sa phase de reconnaissance. J'espère que vous avez compris le principe. Il a glané de l'info, il a des mails, il sait à peu près les services, les vulnérabilités à peu près exposées à l'entreprise. Et puis, il se dit, je vais vouloir aller un peu plus loin. Je vais vouloir récupérer des mots de passe associés aux employés de l'entreprise. Donc, c'est là qu'on arrive dans la phase du phishing. Du phishing. Donc là, plusieurs vecteurs d'attaque. Le phishing en est un, les vulnérabilités après, et puis les mots de passe en dernier.
le phishing, premier vecteur d'attaque, vous connaissez le principe, je pense. On vous envoie un email vous demandant de soit cliquer sur la pièce jointe, soit cliquer sur le lien. Quand vous cliquez sur la pièce jointe, ben là, ça déclenche du code malveillant sur votre ordinateur et l'attaquant peut prendre contrôle de votre machine grâce à ça. Si vous cliquez sur le lien, souvent, on essaye de vous tromper en vous disant « Vous êtes sur le site Tartampion, donnez-moi vos logins et mots de passe. » Et puis, si vous les rentrez, l'attaquant rentre en possession de vos identifiants. Alors, deux, trois petites choses par rapport au phishing. Il faut bien comprendre que quand on vous recevez un mail ou quand vous recevez un document avec un lien, l'URL qui est affichée sur le mail, c'est pas forcément celle qui va s'ouvrir quand vous allez cliquer. En fait, les liens ont un nom et ils ont un lien. Ici, là, typiquement, vous le voyez peut-être pas, mais on a affiché l'URL armorscience.org, l'armorscience qui nous accueille ce soir, merci encore à eux. En fait, si je me mets à cliquer, je vais ouvrir le lien vers une machine pirate. Et donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc, quand vous recevez un email, que vous cliquez, vérifiez bien ce qui s'est ouvert dans votre navigateur, vers quel lien vous avez été. Ensuite, les attaquants utilisent de moins en moins les liens pour attaquer. D'ailleurs, nous, on voudrait vous proposer d'essayer de scanner le QR code. S'il y en a qui veulent, allez-y, c'est le moment. Donc, vous allez être redirigé. Pas de souci, c'est nous qui avons développé le site derrière. C'est nous, il n'y a pas de compromission. Je vois que la confiance règne. Hein. Allez-y. Hein. On va faire l'expérience ensemble. Donc, en fait, si vous scannez ce QR code, vous allez être redirigé vers notre grand site Armor Science qui va vous permettre de gagner plein de cadeaux. On va le faire avec vous, je vais ouvrir le lien. Donc effectivement, ici, on a été redirigé vers Armor Science. Et puis, on vous demande de rentrer vos logins et mots de passe. Et bien sûr, si vous rentrez vos identifiants, on va vous les subtiliser pour les réutiliser plus tard. Cependant, regardez bien, on est sur Armor Science. On a en HTTPS et il y a un cadenas. C'est bizarre ça, pourtant on n'a pas hacké le vrai site d'Armor Science, je vous le garantis. Est-ce que quelqu'un voit une subtilité? Ouais. Le I, exactement. Le I, ça n'est pas un caractère de l'alphabet latin, c'est un autre caractère. C'est un petit trait au-dessus. Et donc nous, on a acheté ce nom de domaine, et puis on a enregistré un certificat valide pour ce nom de domaine, et donc tout semble bien, à l'exception de l'accent. Et donc, un grand nombre de personnes auraient pu se faire berner dans une attaque comme celle-ci. Donc, il faut bien prêter attention à l'ensemble des caractères lorsque on ouvre une URL. C'est ce caractère-là. Là. C'est un... Voilà, on le voit un peu mieux ici, en bas, là. Est-ce que ouvrir un message pose problème ? Non, ouvrir un message en tant que ça n'est pas un problème. Si vous cliquez sur un lien, ce n'est pas non plus un problème. Ce qui risque de se passer, c'est si vous donnez des informations à une mauvaise personne. Ok. Non, je voulais juste dire, aujourd'hui, dans la défense, pourquoi les attaquants passent sur les QR codes, ce qu'on appelle des techniques de phishing maintenant. Ce n'est plus le phishing, le phishing. Ça donne faim, ça. Ouais, c'est une faim. C'est parce qu'en fait, dans la défense, on a des mécanismes dans les entreprises qui analysent les mails. Et ils analysent les pièces jointes des mails et des liens dans les mails. Donc c'est des techniques de d'analyse. Ils ne savent pas encore analyser. Et analyser un QR code, bah, ça complexifie l'analyse des mails dans les entreprises. Voilà, c'est pour ça que les attaquants s'adaptent aussi. Alors, donc pour vous berner, là, ce qu'on a utilisé, c'était un caractère d'un autre alphabet. Donc, conscience de ça, maintenant, les navigateurs, ils supportent des alphabets cyrilliques, grecs, arabes, mathématiques. Et donc, un caractère qu'on pourrait penser un A n'est pas forcément un A. Alors, heureusement, les navigateurs font aussi attention à ça. Et maintenant, quand on clique sur un lien, nous, on a réussi à faire à peu près quelque chose, mais ça a été difficile. Quand on clique sur un lien avec un caractère dans notre alphabet, en règle générale, ils vont essayer de vous alerter. Dernière chose, sachez qu'il y a les emojis qui apparaissent aussi et qu'on peut commencer à les mettre dans les URL, et donc dans les noms de domaine, pardon. Et donc, l'emoji cadenas existe. Et donc, là aussi, ça peut engendrer de la confusion. Alors, les vulnérabilités. Les vulnérabilités, c'est un deuxième vecteur d'attaque. En fait, ça arrive quand, le plus souvent, on se fait attaquer sur une vulnérabilité, le plus souvent, quand on utilise un logiciel qui n'est pas à jour. Souvent,
quand on ne sait pas ce que c'est qu'une vulnérabilité, on a du mal à en comprendre. Alors moi, en venant à Armançon, je me suis dit, il y a des scientifiques, il faut que je fasse une définition. J'ai essayé de faire quelque chose, je vous promets pas. Mais dans les grandes lignes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une vulnérabilité, c'est un défaut de conception, implémentation ou configuration, peu importe, qui permet à l'attaquant de porter atteinte à une propriété de sécurité. Et là, plutôt que de faire une définition pour chaque propriété, je préfère vous donner des exemples. Est-ce que vous seriez d'accord pour que quelqu'un aille lire sans votre consentement vos emails ? Non, ça c'est la propriété de sécurité, de confidentialité. Est-ce que vous seriez d'accord pour que quelqu'un aille modifier vos emails sans votre consentement ? Non, ça c'est la propriété de sécurité, d'intégrité. Est-ce que vous seriez d'accord pour que quelqu'un émette vos emails à votre place ? Non, c'est la propriété d'authenticité. Et enfin, est-ce que vous seriez d'accord pour ne plus avoir accès à vos emails ou que quand quelqu'un qui le souhaite vous en donne l'autorisation ? Non, on veut pouvoir avoir accès tout le temps à nos emails et en envoyer tout le temps. Voilà. Donc si à travers un défaut, quelqu'un est capable de porter atteinte à une des propriétés de sécurité, alors il s'agit d'une vulnérabilité. Bon, ça, c'était la définition, mais nous, on est plutôt des manuels, et donc on préfère vous faire une petite démonstration. Pour vous faire une démonstration, il faut que vous vous rappeliez comment marche un explorateur de fichiers. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre un explorateur de fichiers ensemble. Dans un explorateur de fichiers, hop, on peut naviguer dans des répertoires, on va avoir des répertoires enfants, et puis on peut revenir au répertoire parents. D'accord ? Ça, je pense que vous aviez déjà remarqué ça. Et donc, ici, il y a une petite barre qui marque le chemin des répertoires pour aller à l'endroit où vous êtes actuellement quand vous regardez votre explorateur de fichiers. Et donc, ce chemin-là, il y a quelque chose qui est très important qu'il va falloir que vous reteniez pour la suite de la démonstration, c'est que si à un moment, je décide de mettre dans cette barre de chemin, ça veut dire que je souhaite remonter au répertoire parent. Là, je vais faire entrée, je suis dans le répertoire cybersécurité, et si je suis remonté au répertoire parent, qui était le répertoire desktop, d'accord ? Bureau. Est-ce que c'est à peu près clair ? Point, on remonte au répertoire parent. OK. Donc, voilà, c'est des points, exactement, pour remonter au répertoire parent en ligne de commande, pour ceux qui connaissent. Passons à la vulnérabilité. On a développé pour vous un petit site web, et donc on veut un peu jouer avec. L'idée, ce soir-là, si vous aviez scanné, vous pouviez continuer. C'est un petit site web où on peut s'authentifier, et ce site web, il a une vulnérabilité. Cette vulnérabilité, elle est sur la fonctionnalité de téléchargement. Ici, on a un lien en bas qui nous propose de télécharger le logo. Si je clique dessus et qu'on regarde l'URL ensemble, on la voit mieux à côté. Sur mon slide, mon URL demande à télécharger, download, à télécharger une image qui s'appelle logo.png. C'est le nom de l'image. Qu'est-ce qui se passe côté serveur ? Il y a un développeur, il a écrit le code suivant. Il dit, je récupère la valeur d'image, ici logo.png. Je le concatène à mon répertoire où j'ai mes images, à savoir ici www/images. Et puis, je retourne le fichier. Ici, je vais donc retourner www.images.logo.png à mon utilisateur et ainsi le télécharger. C'est ce que je viens de faire ici. Hein. J'ai téléchargé mon image. Repensez au point maintenant. Qu'est-ce qui se passe si un attaquant dit « Je veux télécharger /users.db ». Users.db, c'est la base des utilisateurs de mon application. Celle qui va permettre après d'authentifier mes utilisateurs. À ce moment-là, le users.db, il va être considéré comme une image par ce qu'a codé mon développeur. Je vais le concaténer au répertoire www.images. Et rappelez-vous, les points disent « je veux aller dans le répertoire parent ». Donc, on va renvoyer le fichier qui n'est pas dans images, mais qui est dans www. On va renvoyer le fichier users.db. Petite démonstration d'une attaque. Hop. Donc là, j'avais logo.png, je change en /users.db.
Et ici, je viens de télécharger un fichier. Si je me mets à l'ouvrir, on voit qu'il y a les logins et puis des mots de passe. Tiens, on va essayer de s'authentifier en tant que Franck. Franck, t'es vachement fort sur tes mots de passe. Balèze. Alors, utilisateur Franck. Je colle le mot de passe. Ah. Ça marche pas. Ok. Va falloir qu'on discute des mots de passe après. Hein. Exactement. C'est bien, on a un chapitre là-dessus. Ça me va bien. Ok, donc là, le développeur, il a commis une erreur. En fait, il faisait confiance à la donnée qui était envoyée par ses utilisateurs. Un attaquant en a profité en mettant des points points. Le développeur, il aurait dû valider qu'il n'y avait pas de point point. Il aurait dû vérifier que c'était bien un nom de fichier et même un nom de fichier qui est dans le répertoire image. Alors, si on parle de la vie d'une vulnérabilité, il y a différentes étapes. On a ce qu'on appelle, j'en ai parlé tout à l'heure, des zero day. Donc, c'est des vulnérabilités à fort impact, non connues du public et non divulguées aux fournisseurs qui possèdent la vulnérabilité. On parlait de Pegasus tout à l'heure. Donc, quand le NSO Group a trouvé des zero day sur Apple, et sur Android, ils l'ont gardé pour eux, pour pouvoir faire des écoutes à l'insu des utilisateurs. Et puis il y a trois autres étapes, mais je pense qu'on va prendre un vrai exemple. On va prendre quelqu'un qui a cherché de la vulnérabilité. Ah, mais il y en a un là. Cyril. Cyril, il avait une webcam, enfin il a toujours la webcam IP dans son salon. Et puis il s'est dit un jour, est-ce que je pourrais pas trouver une vulnérabilité sur ma webcam? Donc il a pris sur son temps personnel pour faire ça. Et donc il a regardé sa webcam et puis il a commencé à essayer de rentrer sur la webcam et de récupérer du logiciel de la webcam et de faire ce qu'on appelle de la rétro-conception. C'est-à-dire qu'il prend le logiciel, il n'a pas le code source, mais à partir du logiciel, il essaye d'en comprendre le comportement et comment fonctionne le logiciel. Donc à partir de là, il a trouvé une vulnérabilité. Donc il était dans sa phase de découverte. Donc il trouve la vulnérabilité, il arrive à trouver une vulnérabilité assez importante quand même sur la webcam. Et du coup, il écrit tout ce qui va bien pour pouvoir répéter la vulnérabilité X fois. Une fois qu'il avait tout ça bien en place, il s'est dit, bah maintenant, je vais contacter le fournisseur de la webcam, qui est un fournisseur assez connu, et on va passer dans la phase d'embargo, c'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord entre le chercheur qui a trouvé la vulnérabilité et le fournisseur de la webcam, et on va se dire, vous ne dites rien pendant X jours, le temps que nous, fournisseurs de webcam, on trouve le patch, le correctif, et qu'on puisse le rendre public à tous les gens du monde, quoi. Donc, une fois qu'il y a eu cette phase de négociation d'embargo, qui a été statuée, et qu'on a dépassé cette phase d'embargo, on passe dans la partie, ce qu'on appelle le public disclosure, c'est-à-dire qu'on là, on passe dans, on communique, le fabricant communique la vulnérabilité. Alors, dans le monde des vulnérabilités, chaque vulnérabilité a un identifiant unique, qui s'appelle les CVE, et un score, donc un score de criticité. Et associé à cette vulnérabilité-là, quand c'est publié, il y a le patch, ou s'il faut mettre à jour sa caméra, ce genre de choses. Donc voilà ce que fait Cyril. Alors le marché de la vulnérabilité, c'est un marché qui est assez lucratif. Il y a différents marchés. Il y a ce qu'on appelle le marché blanc. Alors le marché blanc, il y a, on va dire, deux grandes familles. On a ce qu'on appelle les bug bounty. Alors chez Orange, on en fait des bug bounty. Donc c'est, en gros, c'est du hacking, mais qui est cadré. C'est-à-dire les règles sont données d'avance. Donc c'est-à-dire chez Orange, on va dire, voilà, vous allez attaquer tel ou tel service d'Orange. L'équipe d'attaque, elle est connue. Donc on sait le nombre d'attaquants externes. C'est souvent des sociétés externes qu'on fait venir. Donc il y a une durée qui est calée. Donc ça va durer tant de jours. Et les chercheurs qui vont attaquer les services, suivant les vulnérabilités qui vont remonter pendant cette phase de bug bounty à l'entreprise, vont être plus ou moins payés, suivant la criticité de la vulnérabilité qu'ils trouvent sur le service. Ils sont rémunérés au résultat. Voilà, exactement. Et dans ces marchés blancs, on a aussi ce qu'on appelle des contests. Vous avez des contests, c'est vraiment une compétition internationale. On en a appris, on va vous en parler juste d'une, ça s'appelle le Pwn to Own. C'est une compétition mondiale. Ce qui est vachement bien, c'est que vous repartez avec l'équipement que vous avez réussi à pirater. Alors, les règles du jeu, c'est
Et un peu d'argent aussi. Hein. Et de l'argent. Ouais. Et de l'argent. Parce que si tu gagnes qu'une imprimante... Voilà. Règle du jeu, c'est 3 mois avant, les équipes qui se sont inscrites au Pawn to Own ont la liste de tous les équipements qui sont en gros à pirater. Et il y a une société en France qui est très connue, qui s'appelle Synactive. Ça fait plusieurs fois qu'eux, ils sont repartis avec la Tesla. Donc ils ont piraté la Tesla. Et donc, vu qu'ils ont réussi à gagner le challenge, ils repartent avec la Tesla. Voilà. Et beaucoup d'argent. Et aussi. Beaucoup d'argent. Ouais. Donc c'est une boîte française qui s'appelle Synactive. Voilà. Ensuite, on a le marché gris. Le marché gris, c'est... Donc on a des zéro day qui ne sont pas connus et il y a des brokers du marché gris qui vont racheter ces vulnérabilités à très fort impact, notamment comme Zerodium, hein, on a mis le petit graphique sur le côté, et ils vont racheter ces zéro day et ils vont les revendre à des groupes d'attaquants. Alors, des groupes d'attaquants très souvent étatiques. Qui ont de l'argent. Pour beaucoup d'argent. Et le fameux NSO Group dont on parlait pendant l'affaire Pegasus, c'est une sorte d'entreprise au service des États et qui achète des zero day aussi. Voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si quelqu'un dans la salle aujourd'hui est capable de rentrer sur un Windows 11 à jour en faisant un zéro clic et prendre la main sur le Windows, ça coûte 1 million d'euros. Voilà. Si quelqu'un a ça, vous me dites. Voilà. Et la dernière partie, c'est le marché noir. On n'a pas beaucoup d'infos parce qu'on pense que le marché blanc et le marché gris sont suffisamment lucratifs dans le marché de la vulnérabilité que finalement, au marché noir, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Votre attaque, là, que vous avez regardée... C'était une démonstration. Ah, pardon, la caméra ? Oui, la caméra. Oui. On aurait plutôt dit... Donc, marché blanc autorisé, et puisqu'il y a eu un patch qui est sorti. En général, marché gris, on n'en entend pas parler, sauf quand la presse s'en mêle avec l'affaire Pegasus, parce que c'est des vulnérabilités qui sont inconnues et qui sont jamais corrigées, puisque les États en profitent pour attaquer les téléphones. Alors, encore un quiz. En 2022, à votre avis, combien Google a versé d'argent? Combien Google a mis sur la table pour aux chercheurs en vulnérabilité via son programme de Bug Bounty? Alors, le programme de Bug Bounty de Google, c'est Chrome, c'est Android, c'est tous les services de Google que vous connaissez, le moteur de recherche, le Gmail, Inco. Donc, combien Google a rétribué les chercheurs en vulnérabilité en 2022? Alors, est-ce que c'est plutôt réponse A, 80 000 euros, réponse B, 700 000 euros, réponse C, 3 millions de dollars, pardon, et réponse D, 12 millions de dollars. Ouais, c'est les dollars, c'est pas des... C'est des dollars. Alors, qui dit réponse A? Qui dit la réponse B? Une personne au fond. Qui dit réponse C? Qui dit la réponse D? Voilà, il y a une majorité, c'est pas mal. Ils ont payé 12 millions de dollars en 2022 aux chercheurs de vulnérabilité. Hein? C'est pas mon dada, moi. Je suis un défenseur. Lui, le défenseur. Voilà. Cyril est riche, ouais. Alors, on bascule sur les mots de passe. Troisième vecteur d'attaque, les mots de passe. Nerf de la guerre. Voilà. Alors, dans les mots de passe, il y a différents types d'attaques de mots de passe. Il y a la première attaque, c'est l'attaque de force brute. Donc, c'est assez brut. C'est-à-dire que l'attaquant, il va essayer de rentrer sur un service où il y a un mot de passe. Et puis il va essayer toutes les combinaisons possibles. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment ça va marcher, il va trouver le bon mot de passe, il va rentrer sur le système. C'est un peu l'image d'un cadenas là, vous savez, avec 4 chiffres, il va tenter toutes les combinaisons. Peut-être qu'au bout d'un moment ça va marcher. Ensuite, après vous avez l'attaque par ce qu'on appelle par dictionnaire. Parce qu'il faut savoir sur le monde de la cyber, vous avez à disposition sur le monde de l'internet des dictionnaires de mots de passe les plus utilisés. Donc c'est des dictionnaires qui ont des millions et des millions de mots de passe. Donc l'attaquant, il va prendre des dictionnaires, il va se dire, je vais prendre le dictionnaire des mots de passe les plus utilisés dans le monde, puis je vais essayer de les jouer, puis peut-être que le mot de passe, il fait partie de ces listes-là. Ensuite, vous avez les attaques par dérivation. Donc c'est-à-dire que l'attaquant, il va prendre, prenez password, par exemple, le mot de passe, et puis il va faire password 1, 2, 3, password 4, 5, 6, password, je vais modifier le 0, le O, et je vais mettre un 0 à la place. Donc c'est une dérivation
depuis un mot de passe connu, il va essayer d'en déterminer. Sur les entreprises, ça marche très très bien, la dérivation avec le nom de l'entreprise. Voilà. En fait, et après, vous avez tout ce qui est réutilisation de mot de passe. Si un attaquant a réussi à trouver un mot de passe dans son attaque sur un service A, eh ben, il va le tenter sur le service B, parce qu'il y a des chances que ce même mot de passe dans une entreprise, ce mot de passe dans cette entreprise soit utilisé sur différents services. Et le dernier point, c'est la diffusion. C'est de prendre le même mot de passe et je me dis, bah, je vais utiliser ça sur tous les employés de l'entreprise et je vais voir si ça marche. C'est encore possible pour les trois premiers parce que la plupart des serveurs limitent le nombre. Alors, ça tombe très bien parce qu'on est sur la stratégie de défense, sur les mots de passe. Pas spoiler, hein. Alors, sur les mécanismes d'anti-brute force, ou force brute, vous avez la possibilité, enfin c'est ce qui est fait, c'est de mettre du délai entre chaque tentative de mot de passe. Ce qui fait que si l'attaquant il est un peu trop gourmand, son adresse IP d'attaquant va être bloquée sur les serveurs parce qu'il a trop fait de tentatives en peu de temps. Donc ça laisse des traces aussi, nous, en termes de défense. On voit dans les logs des serveurs, enfin, dans les traces de serveurs, on voit qu'il y a une telle adresse IP a tenté plein de mots de passe et a été bannie. Le point important aussi, notamment dans nos entreprises comme la nôtre, c'est la politique de mots de passe. C'est-à-dire, c'est important d'avoir des mots de passe suffisamment longs, suffisamment compliqués, et aussi forcer les utilisateurs à changer de manière régulière leur mot de passe. Donc c'est ce qu'on appelle la politique des mots de passe. On a beaucoup aussi de sensibilisation à la gestion des mots de passe. J'ai entendu quelqu'un dire, il faut s'en rappeler. Des mots de passe. Il faut s'en rappeler. Alors, ça tombe bien. Et donc ça tombe bien. Ça tombe bien parce que vous avez dans le monde des mots de passe des coffres forts de mots de passe. On a donné un exemple, par exemple, KeePass va vous permettre c'est un logiciel qui permet de générer des mots de passe pour vous et de les stocker pour vous dans un coffre fort sécurisé. Donc en fait, le seul mot de passe à retenir, c'est celui de son coffre fort. Voilà, qu'il ne faut pas mettre faible non plus parce que sinon c'est. Voilà. Et la dernière partie, c'est tout plutôt comme un peu dans la démo qu'a fait Cyril, c'est comment, quand on développe des logiciels, quand on développe des sites web, comment on stocke de manière sécurisée des mots de passe dans les services qui sont développés dans l'entreprise. Ça, c'est très important parce qu'on a vu que les bases de mots de passe pouvaient fuiter. On vient d'en faire une petite démonstration sur une application vulnérable, mais c'est des choses qui arrivent dans la réalité. Voilà. Alors, je donne déjà un dernier exemple. En ce moment, en termes d'attaques qu'on voit, on a beaucoup de problématiques de fuite de mots de passe liées à ce qu'on appelle des stealers. Donc, c'est des logiciels malveillants qui s'installent sur les PC et qui viennent voler tous les mots de passe qui sont stockés dans vos navigateurs, dans les Chrome, dans les Edge. Et donc, en ce moment, il y a beaucoup de sujets autour de fuite de mots de passe liés à ce type de logiciels malveillants. D'accord. Donc, comment ceux qui éditent des logiciels doivent stocker les mots de passe ? Avant de vous expliquer comment il faut qu'ils fassent, il faut que je vous explique les différentes mécaniques qu'on peut appliquer à de la donnée. La première grande mécanique que je vais vous expliquer, c'est l'encodage. En fait, encoder de la donnée, ça consiste à changer son format, mais on ne va pas la cacher. Je pense que vous avez tous utilisé de l'encodage sans le savoir, par exemple, en utilisant des fichiers zip. J'imagine que vous avez tous utilisé des fichiers, compressé un fichier. Donc là, vous avez changé le format de la donnée, vous l'avez compressée pour qu'elle prenne moins de place, mais elle est toujours en clair. Et pour la retrouver, il suffit de la décompresser, elle n'est pas cachée. Ça, l'encodage, c'est à ne pas confondre avec le chiffrement. Le chiffrement consiste vraiment à cacher la donnée. Pour chiffrer, on en a parlé d'ailleurs juste avant avec les fameux chiffrements sur l'Internet. Pour chiffrer la donnée, il faut un algorithme de chiffrement et puis une clé secrète. Cette clé, c'est un peu l'équivalent du mot de passe du chiffrement. Une fois qu'on a chiffré la donnée, normalement, elle doit ressembler à une suite d'aléas de caractères. Si on devait la comparer à ce que sortirait un générateur d'aléas, ce serait la même chose, on n'arriverait pas à les différencier. La seule façon, en théorie, de pouvoir déchiffrer la donnée, c'est d'avoir l'algorithme de déchiffrement et surtout la clé secrète. Et à ce moment-là, on doit pouvoir retrouver la donnée en clair. Ça pourrait être intéressant pour stocker les mots de passe, mais le problème, c'est que pour stocker les mots de passe, pour pouvoir savoir le clair, il faut la déchiffrer, et donc il faut stocker aussi la clé à côté des mots de passe. Et donc, si notre attaquant il arrive à voler les mots de passe, il peut très certainement aussi voler la clé, et donc là, on a tout perdu, il peut retrouver les mots de passe en clair.
Donc la mécanique qu'on applique pour stocker les mots de passe, c'est la dernière, celle qu'on appelle le hashing. C'est une moulinette cryptographique aussi. En fait, la propriété du hashing, c'est qu'on va prendre le mot de passe, on va le passer dans une moulinette et il va en sortir ce qu'on appelle une signature, un condensat. On appelle ça un hash en anglais. Je vous en montre un exemple juste dans le slide d'après. Chose très importante à comprendre, c'est qu'à partir de cette signature, il est en théorie impossible, mathématiquement impossible, de revenir vers la donnée en clair. C'est un algorithme qui est à sens unique. Donc, je viens de le dire, il n'y a pas de fonction inverse au hashing. C'est un algorithme qui n'existe que dans un sens. Et donc, quand on prend un algorithme de hashing, là j'ai pris un algorithme qui est connu, mais qui commence à être bien obsolète, c'est le MD5, on le passe dans une moulinette et il en sort un condensat ou une signature que je viens de vous représenter, qui est une suite hexadécimale. Ça, on va pouvoir le stocker assez simplement, et ça a l'intérêt que si on le stocke, si quelqu'un arrive à mettre la main dessus, il n'est pas censé pouvoir revenir vers le clair. Comment ça se passe dans la vie? On a notre application, on a notre personne qui s'enregistre pour la première fois et nous donne pour la première fois son mot de passe. On le fait passer dans la moulinette, on le stocke. Cette personne-là s'en va, elle revient plusieurs semaines après, elle nous redonne son mot de passe, on le refait passer dans la moulinette et on compare le résultat de ce qu'on a eu dans notre moulinette avec ce qu'on a stocké. Normalement, le hashing d'un même mot de passe fait plusieurs fois, même à l'autre bout du monde, ça donne le même résultat. Et la propriété qui est très intéressante, c'est si on change ne serait-ce qu'un petit caractère du mot de passe, le résultat, la signature est complètement différente. Donc là, est-ce que ça vous parle, cette suite d'octets-là? Ça ressemble vraiment à ce qu'on a volé avant, là, dans notre base utilisateur. Je vais réouvrir le fichier pour vous, si je le retrouve. Téléchargement. Hop, double clic. Effectivement, ici, on a une suite d'octets. Alors, peut-être que Franck, il y a quelque chose à faire avec ça. Ben, ouais. On peut pas revenir en arrière. On peut pas revenir en arrière. Alors, il y a des petits malins qui ont précalculé déjà tous les hashes de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots de passe. D'accord? Et donc, si vous avez un hash connu, il suffit de comparer le hash que vous avez volé avec cette grosse liste, et peut-être que dedans, il y a un mot de passe, il y a le mot de passe en clair qui est connu. Et le pire, c'est qu'ils ont mis ça à dispo sur Internet, gratos. Allez, on essaye. Donc je vous montre un petit site, ça s'appelle md5decrypt.net. Hop. Alors, MD5Decrypt, il me propose de la pub, mais surtout, il me propose d'essayer de voir s'il connaît le hash qu'il a en base. Donc j'ai pris le mot de passe de Franck, ici, et puis je peux cliquer sur « Décrypte ». En fait, il ne décrypte pas du tout. D'ailleurs, s'il n'a pas le hash dans sa base de données, il me dira « je ne sais pas faire ». En fait, il va comparer avec sa base de signature connue pour voir s'il y a quelque chose qui existe. Hop. Donc Franck, tu as ton mot de passe, c'est « Coucou maman ». Je ne sais pas si la maman de Franck est dans l'assistance. Elle est au fond. Allez, on essaye ce mot de passe sur la démo. Sur notre site, ouais. C'était bien ton mot de passe. Bien joué. On revient à la présentation. Donc en fait, on a vu que les bases de mots de passe pouvaient être précalculées. Donc pour pallier à ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est que en plus de stocker la signature, on va tirer un aléa qu'on va concaténer au mot de passe, pour le faire passer dans la moulinette. Ok, on va stocker le résultat de la moulinette, la signature, avec l'aléa. Comme ça, quand la prochaine fois que Franck revient, il me redonne son mot de passe, je prends l'aléa qu'il y avait pour Franck, je le fais passer dans la moulinette, et je regarde si j'ai une signature. En règle générale, un mot de passe avec des moulinettes, ça fait des grosses quantités de caractères, et donc c'est impossible de tout précalculer, et donc on arrive à pallier à ce problème-là. La façon ultime de craquer ce genre de mot de passe, c'est d'utiliser des capacités de calcul. C'est ce que moi, je fais couramment au travail. En fait, on va récupérer la signature avec son aléa et puis on va essayer tout un tas de mots avec soit les dictionnaires, soit les attaques par brute force pour essayer de retrouver la bonne signature. Pour préciser là-dessus,
c'est pas on attaque le site en permanence, c'est on récupère la base de mot de passe, comme là, et après on travaille sur le serveur pour casser le mot de passe. Voilà, donc nous, au travail, on a des serveurs qui ont des grosses capacités de calcul. En fait, elles travaillent avec des cartes graphiques. Les cartes graphiques, il y en a qui s'en servent pour miner du bitcoin, nous on s'en sert pour craquer des mots de passe. Les cartes graphiques, elles savent faire plein de calculs en parallèle, des milliers. Et donc ça permet de tester des milliers de hashes en parallèle et d'aller beaucoup plus vite pour essayer de craquer un mot de passe. On va essayer, on essaye comme ça. Un petit quiz, à votre avis, combien de temps faut-il pour craquer un mot de passe, aller de 8 caractères qui comprend nombre, majuscule, minuscule et des symboles, peut-être des dièses, des étoiles. Et puis on va se dire avec, voilà, avec des capacités de cartes graphiques, si on en met grosso modo 8 cartes graphiques, un peu gourmand. Et l'algorithme qu'on vient de voir juste avant. Voilà. Alors donc vous avez plusieurs choix. Réponse A, c'est 7 minutes. Réponse B, c'est 40 minutes. Réponse C, c'est 2 jours. Et réponse D, c'est 3 ans. Donc qui dit A? Ok. Qui dit B? Ouais. Qui dit C? Qui dit D? On avait pas mal de A et B, j'ai l'impression. Ouais. Donc la réponse, c'est plutôt de l'ordre de 40 minutes aujourd'hui. Associé maintenant au mot de passe, vous avez ce qu'on appelle un second facteur d'authentification, donc qui est basé sur 3 critères. Donc on a ce que je sais, on a notre exemple, c'est votre passe. Il y a ce que je possède, donc ça peut être une carte SIM, un téléphone portable, ça peut être une clé spécifique pour déclencher un second facteur. Et ce que je suis, donc c'est la biométrie, une empreinte, de la reconnaissance faciale. Donc vous avez de plus en plus de sites maintenant qui proposent d'activer le second facteur pour l'authentification, ce qui fait que l'attaquant, s'il veut rentrer à votre place, même s'il a le mot de passe qui est bon, s'il n'a pas la main sur le second facteur, s'il n'a pas la main sur votre mobile, parce qu'il y a un code qui va arriver sur votre mobile, il ne pourra pas rentrer à votre place sur le site. C'est un exemple. Ça consolide donc l'identité de la personne qui se présente. Alors, on attaque la dernière partie. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Et l'objectif de ces groupes d'attaquants, alors... On va en donner quelques-uns. Pourquoi toutes ces attaques? Voilà, pourquoi toutes ces attaques? Alors, on a une des attaques, c'est ce qu'on a parlé plusieurs fois, le déni de service. Donc, vous a sorti un exemple là, qui a été publié par Google en octobre 2023. C'est Google aurait bloqué une des plus grosses attaques par déni de service. C'est-à-dire qu'il y a une cible qui s'est fait attaquer et sur 2 minutes... La cible, elle a reçu plus de 398 millions de requêtes par seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la consommation de Wikipédia au niveau mondial sur un mois. Et tout ça a été concaténé en 2 minutes. Donc il y a un groupe d'attaquants, en 2 minutes, ils ont fait 398 millions de requêtes par seconde. Donc ça, c'est le déni de service qui pose problème parce que, alors on a eu le cas cette année quand il y a eu les élections au Niger. Il y a eu, par exemple, Anonymous Soudan, un groupe qui n'a pas trop apprécié certains propos de notre président, et du coup, qui ont fait des attaques par déni de service sur nos sites gouvernementaux. Donc, il y a les impôts pendant quelques heures qui étaient rendus inaccessibles. Il y a aussi la banque postale qui a été ciblée. Voilà. Donc, c'était lié aux élections qui étaient au Niger. Voilà. Mais il y a eu des attaques par déni de service, comme ça. Une deuxième. Souvent, il y a des groupes qui sont spécialisés, qui sont donc des mercenaires et qui se font payer pour faire des dénis de service, hein, c'est ça? Exactement. Voilà. Et si vous voulez aussi, vous, attaquer un site, vous pouvez aussi louer de la ressource pour faire du déni de service. Vous mettez 200 euros, on vous dit, OK, pour 200 euros, pendant 1 minute, je suis capable de générer tant de requêtes par seconde vers votre cible. Donc tout ça, c'est un peu industrialisé. Voilà. L'autre cas, c'est tout ce qui est légion, c'est la revente d'accès. Donc c'est-à-dire vous avez des attaquants qui sont introduits sur une entreprise, qui ont volé toutes les clés, hein, des mots de passe, voilà, et qui les revendent après sur le dark web, dans le but que d'autres attaquants récupèrent ces clés-là et viennent nous faire un autre type d'attaque. Donc on a mis deux exemples, c'est peut-être un peu petit. À gauche, c'est une revente d'accès pour un producteur de matériaux de bateaux en France. Donc ça, c'est des accès qui permettent à des attaquants de rentrer sur le site d'information
de l'entreprise de bateaux, enfin de fournisseurs de bateaux. Et à droite, c'est une compagnie d'énergie. Voilà, donc après, c'est mis à prix suivant la taille de la base, suivant la grosseur de l'entreprise qui est ciblée, ce genre de choses. Donc forcément, nous, chez Orange, en permanence, on a des services qui scrutent tous ces services malveillants, là, pour voir si chez Orange, il n'y a pas des gens qui revendent des accès d'Orange sur le dark web. C'est de l'intelligence de la menace, donc voilà. Vous allez scruter le dark web. Exactement. Wow. Un autre sujet, c'est la fraude. Alors, j'ai mis un cas qu'on connaît très bien, nous, au CERT. On a traqué un attaquant qui s'appelle Opérateur, qui cible les systèmes bancaires. Donc c'est un groupe d'attaquants qui a opéré pendant 5 ans sur les réseaux. Nous, dans l'équipe, on a travaillé pendant 3 ans pour le traquer, pour comprendre comment il fonctionnait, pour le chasser de chez nous. 3 ans de travail, hein, des milliers de serveurs analysés. En fait, c'est les groupes d'attaquants qui rentrent dans les systèmes bancaires et qui, sur un week-end, vont payer des gens pour aller dans des distributeurs et vider des comptes. Donc l'attaquant, il a la main sur la partie infrastructure technique informatique de la banque, et en même temps, il est en capacité d'acheter des gens, enfin de louer des personnes, on va dire, comme ça, sur un week-end, leur dire, toi, tu vas au distributeur B de telle ville, toi, tu vas au distributeur C, et tu prends cette carte-là et tu vides le compte. Donc on a travaillé pendant 3 ans, nous, on a fourni des indicateurs techniques, parce qu'on a compris leur mode opératoire, et on a fourni tout ça à Interpol. Donc Interpol, ensuite, là on n'est plus dans la boucle, mais après Interpol a réussi à trouver la tête de pont de ce groupe d'attaquants et a réussi à le mettre en prison. Autre façon de se rémunérer quand on est malveillant, c'est le rançongiciel. On en a déjà beaucoup parlé, mais on voulait quand même vous montrer à quoi ça ressemblait quand on se faisait rançonner. Donc là, à gauche, vous voyez un système qui s'est fait rançonner. En fait, le fond d'écran, il vous dit comment payer la prime pour après retrouver votre système soi-disant comme avant. Et donc là, sur ce système, il y a toutes vos données sensibles ont été volées, et puis surtout, il a chiffré tout ce qui permettait à votre système de fonctionner un petit peu. Et sur la fenêtre de droite, c'est le site web de l'attaquant. Ce site web, il est sur le dark web. Il vous dit, vous cliquez sur votre nom d'entreprise qui s'est fait pirater. Donc là, on voit quand même qu'il y a des noms d'entreprise qui se sont fait pirater. Et puis, vous me fournissez l'argent que je vous ai demandé en Bitcoin. Et puis, normalement, ça déverrouille. Alors, la bonne pratique, c'est de ne rien payer. On ne négocie pas avec eux. De toute façon, on ne sait même pas si en donnant l'argent, on retrouvera un jour nos données. Il vaut mieux perdre son temps à autre chose et plutôt à essayer de retrouver son système. Ouais, la bonne pratique, c'est d'avoir les sauvegardes. Voilà. Et espérer que les sauvegardes soient bien isolées de la partie qui s'est fait pirater. Sinon, il y a des sauvegardes qui passent aussi dans le lot. Donc, du coup, on a tout perdu. Alors, petit quiz. On va imaginer une histoire tirée de faits réels. Donc, qu'on a connu par le biais de choses et d'autres. Imaginez le cas d'une personne qui est ciblée par une campagne de phishing, qui clique sur le fichier Excel, ça ouvre une macro Excel, derrière ça exécute du code, l'attaquant prend la main sur l'ordinateur de notre victime et commence à faire une phase de reconnaissance sur le réseau interne de l'entreprise victime. Et puis certains serveurs sont compromis. À votre avis, une telle attaque, là, en combien de temps ça peut se dérouler? Plutôt en 5 heures? Plutôt en 6 mois? Plutôt en une semaine? Ou plutôt en un mois? Qui pense 5 heures? Qui pense 6 mois? Qui pense une semaine? La majorité une semaine. Qui pense un mois? En fait, la bonne réponse, c'était 5 heures. Les attaquants, ils ont une procédure. Tout est écrit chez eux, ce sont des professionnels, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Dès qu'ils ont la main sur une machine, ils commencent leur reconnaissance, ils vont là où c'est faible et ils arrivent à se latéraliser sur le réseau. Le but pour eux, c'est de pouvoir monétiser au mieux leur attaque le plus vite possible. Sauf que parfois, Franck, ils sont là et ça dure des années et on ne sait pas ce qui se passe. C'était un peu le cas d'opérateur, il a fallu que vous investiguiez longtemps. Ça peut être des groupes d'attaquants qu'on appelle un peu dormants. Voilà.
On ne les voit pas forcément, ils sont là, et on ne les voit pas. Ils sont dans l'entreprise. Possiblement. Ils sont potentiellement dans l'entreprise. Des fois, on les détecte très tard, ils sont là depuis très longtemps, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On peut les découvrir après coup. Ce qu'on disait, c'était vraiment important dans le monde de la défense, c'est le partage d'informations. Mais même entre les entreprises, nous, on fait partie, par exemple, le CERT, on fait partie d'une communauté française où tous les grands CERT, des grands groupes français, se partagent des techniques ou des modes opératoires d'attaquants. Donc, au bout d'un moment, on va commencer à engranger de la connaissance. Et peut-être qu'en engrangeant une connaissance un jour J, on va découvrir un groupe d'attaquants qui était installé depuis peut-être un peu plus longtemps, enfin, depuis un moment. Voilà, donc on ne sait pas tout. Alors, pour vous, en tant que particulier, on voulait aussi que vous ressortiez de cette présentation avec quelques bonnes pratiques. On a cité les attaques et comment elles se déroulaient. C'est aussi valable pour les particuliers. Donc, on va les énumérer rapidement. Quand vous recevez un lien, qu'on vous demande de cliquer, prêtez bien attention au lien, au nom de domaine qui va être ouvert. Est-ce que les caractères sont bons? Est-ce qu'il n'y a pas une faute d'orthographe dans le nom de domaine? Est-ce qu'il y a bien le S à HTTPS? Est-ce qu'il y a bien le cadenas qui certifie que, grâce à une autorité de certification, vous êtes en train de parler au bon interlocuteur? Dans tous les cas, s'il y a un doute, que ce soit sur le lien ou après avoir cliqué, une conversation téléphonique, un rappel, etc., on raccroche, on arrête notre navigation et on passe par les canaux officiels pour recontacter l'organisation avec qui on voulait entamer la démarche. Deuxième chose, sur les mots de passe, on vous conseille d'avoir différents mots de passe pour chaque application. Donc pour ça, il vaut mieux les stocker dans un coffre-fort et avoir un mot de passe pour ouvrir ce coffre-fort qu'avoir tout le temps le même mot de passe partout, parce qu'il suffit qu'il soit volé une fois et on peut après utiliser tous vos services. Aussi des mots de passe robustes, supérieurs à 12 caractères, avec une grande diversité de caractères. Ça, c'est l'ANSI qui le recommande. Et puis enfin, lorsque c'est possible, il faut vraiment activer le deuxième facteur. C'est important, ça permet de consolider votre identité sur les services. Et enfin, au niveau des logiciels, lorsque vous avez des logiciels, n'oubliez pas de les mettre à jour. C'est important, ça veut dire que quand vous les mettez à jour, que vous enlevez des vulnérabilités qui sont potentiellement connues des attaquants. Et puis aussi, faites attention aux logiciels que vous installez. Quand vous installez un logiciel que vous ne savez pas trop d'où il vient, dans un monde un petit peu obscur, potentiellement, il peut ramener son lot d'attaques avec lui. Il peut y avoir des souches malveillantes dans certains logiciels. Donc, quand vous installez un logiciel, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, faites bien attention à ce que ce soit quelque chose de fiable et reconnu. Et voilà, je crois que c'est tout pour nous deux. Voilà.